Alors, mon millésime préféré, c'est un millésime 2004. J'aime bien 2004 parce qu'on a une cuvée spéciale qui fait qu'on va jusqu'en 2001 à la vente. Donc, on a un recul de plus de 10 ans. Et en dégustant toutes les cuvées, c'est le 2004 qui ressort, qui me plaît bien. Il y a plein de petites boutiques sympas, surtout l'été. Donc, c'est plutôt flâner dans les rues et se balader dans toutes ces petites boutiques d'été. Alors sur le domaine, chez nous, le cépage le plus difficile, c'est le pinot noir, le pinot noir qu'on retrouve en Bourgogne. Donc ici, c'est plus difficile parce qu'il fait chaud. Donc contrairement à tous nos cépages, même le blanc, c'est le premier qu'on vinifie. Donc dès le fin août, on commence par le pinot. C'est un cépage qui est assez compliqué et même suivant les millésimes, on le saute parce que voilà, on prend vraiment le meilleur du pinot noir. Avec Plantu. Parce que Plantu nous a choisi en 2013 et nous a fait le cadeau de créer une étiquette spécialement pour notre cuvée. Donc on a eu droit à 3000 bouteilles. Une ville historique. Il y a deux styles de cuvées. Donc il y a cette cuvée qu'on appelle cuvée d'Anaugère parce qu'il y a des millésimes différents qui permettent de voir l'évolution. Et ensuite, depuis 2012, on a créé une cuvée spéciale qui n'est pas travaillée en barrique, contrairement à la cuvée d'Anaugère, qui s'appelle les Filles de Perdiguier. Et l'idée, c'était d'avoir un vin très vif, en rouge et en rosé, à boire dès l'été, un peu frais, pour les beaux jours.